Il va avoir beaucoup de mal à réaliser ce rêve. Pourquoi ? L'esprit du renard à neuf queues est en lui. Tout le monde n'est pas au courant, bien sûr. Seuls ceux qui se sont battus contre la bête il y a 12 ans savent la vérité. Tous ont fait le serment de ne jamais révéler ce secret. Et j'ai toujours puni sévèrement tous ceux qui ont rompu leur serment. Les enfants d'aujourd'hui ne savent rien du lien entre Naruto et le démon renard qui a dévasté notre village et nous a pratiquement anéantis. Tant que les enfants ne sauront rien, Naruto pourrait espérer être accepté. C'était le vœu du 4e Hokage avant qu'il ne se sacrifie pour nous sauver. Pour nous sauver ? Le 4e Hokage a scellé l'esprit du démon renard dans le nombril du nouveau-né dont on venait tout juste de couper le cordon. En devenant le réceptacle de l'esprit du renard, Naruto a sauvé notre village. Voilà pourquoi il est un héros. Malheureusement, les autres villageois ne le voient pas comme ça. Certains disent même que Naruto est en réalité l'esprit du renard à neuf queues. Peu à peu, leur attitude hostile envers Naruto s'est transmise à leurs propres enfants. Tu sais ce que les anciens disaient à ce sujet, Iruka ? Que disaient-ils, maître ? Quand quelqu'un est détesté et que les gens refusent de l'accepter, cette personne ne voit que la haine dans le regard de tous ceux qui l'entourent.